Bonsoir mesdames et messieurs. Je vous souhaite au nom du Bambino la bienvenue dans ce cabaret théâtre de Bergerac. Je suis très heureux parce que dans cette salle, on y propose des spectacles de music-hall et aussi, c'est un cabaret théâtre, on y propose d'autres types de spectacles et d'actions culturelles. Ce soir, j'ai le grand plaisir, j'ai rencontré Madame Kerinx qui a préparé la mise en scène de la, place de la pièce de théâtre que vous allez voir ce soir, le Café de la Place. Ce sont les comédiens Fascia de Saint-Nexan. Certains d'entre vous les connaissent. Je suis très heureux de leur ouvrir ce fameux rideau rouge et de vous présenter cette jolie pièce remplie de rire et d'émotion. Ah, mais bien sûr. Comme chaque artiste, je crois qu'ils ont un peu le trac, mais c'est ce qui va donner toute la valeur à ce spectacle. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que pendant l'entracte, nous avons un point restauration, cocktail et bar qui est ouvert et à votre disposition. Bon spectacle à tous et merci de votre venue au Bambino de Bergerac. Super, qu'est-ce qu'on te demande?
préparé quelque chose? Oh oui, c'est un truc de... du chanteur. Ça... Oh, je me souviens jamais. Ça commence par un C. Mais Gabriel. Non, non, c'est pas ça. Calogero. Non. Oh, ça y est, je sais. Corneille. Oh, c'est pas de la tête. C'est le récit de la naissance de l'amour dans un cœur de jeune fille. Corneille. Oui. T'as une minute? Je vais te le dire. Et toi qui as fait du théâtre, tu pourras me donner des conseils. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, j'y vais. Non, c'est pas là. C'est pas là. Je m'emmerde.
si j'avais de l'argent, hein, ben je vous promets que je plaquerais tout. Hein. Lui, là, son rêve, c'est d'avoir une voiture électrique. On parle de rêve. Hé, hey, jouez donc au loto. Mais c'est ce que je fais, voyons. Chaque semaine, les mêmes numéros depuis 20 ans. Alors. Et vous ne gagnez jamais. Mais non. Le loto, c'est de l'arnaque. Il n'y a que les pauvres qui jouent au loto. Les autres, ils jouent à la bourse. Alors vous, hein, vous n'y comprenez rien du tout. Mais voyons, le loto. Mais c'est du rêve pas cher. Pour 10 euros, je fais des rêves à 20 millions. Ah, ah si j'étais riche. Nous défendons la biodiversité en buvant
tous ces apéritifs à base de plantes. Oh, allez, c'est quoi le comptoir? Au potager matin, je vais m'occuper de mes salades. Au revoir. Au revoir, Madame Machaud. Notre moment avec des reproches, ma chatounette. Mais non, pas du tout, mon chéri, pas du tout. Mais je t'attends depuis combien de temps? Depuis que j'ai divorcé? 3 ans. As-tu enfin parlé à ta femme? J'allais le faire. Ce n'est pas facile. Hein. C'est pour ça que je n'ai pu venir te voir. Elle est encore malade? Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle a cette fois? La peste, le typhus, le choléra? Ah non, la Covid! Ne te moque pas, mon petit cœur. Ne te moque pas. Tu sais, c'est grave, hein? Une hépatite. Oh, j'ai senti. Tu comprends bien que je ne vais pas lui dire maintenant que je vais la quitter. Ça l'achèverait. Allons, notre amour peut encore attendre quelques semaines. Nous aurons toute la vie pour nous aimer. Mais moi, je veux vivre avec toi, là. Je veux me réveiller à tes côtés tous les matins. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre. La fille du café. Dieu, que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste. La fille du café. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie c'est pas grand chose. Mais qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rester seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est beau comme elle aime, c'est fou comme elle aime. Mon petit cœur. Petit cœur,
je t'aime, moi aussi. Fais-moi confiance. Il faut que je sois rentré avant 13h. Avant 13h? Bonne journée, tout le monde. Au revoir. C'est beau, l'amour. L'amour comme ça. Ma femme, elle m'a quitté. Soi-disant que j'étais alcoolique. De toute façon, elle était imbuvable. Et là, emmenez le chien. Elles ne comprennent rien, les femmes. Par exemple, elles aiment les hommes fort roulis, mais elles ne veulent pas qu'ils aillent aux entraînements. Alors en France, soit on picole, soit on s'emmerde. La même chose, Joséphine, s'il vous plaît. Merci, merci. D'ailleurs, il y a un grand écrivain qui est alcoolique. Ernest Hemingway, par exemple. Michel Houellebecq. Merci. Et Marguerite Duras. Et moi. Aïe! Oh! Robert, vous êtes fait mal? La cheville? La... Non. Ah! Je cherche ce couchant depuis ce matin. Mais qui c'est qui lit des livres? Arrêtez de vous faire chier à vouloir écrire des livres. Le français, il lit pas. Même dans le train, il lit pas. Il regarde par la fenêtre ou il tripote son téléphone. Bonjour, madame Ménard. Bonjour. Mon mari n'est pas en grande forme depuis quelques jours. Le médecin est passé. Il ne voit pas trop. Pas des examens si ça ne s'améliore pas. Mais bon, ça doit être le changement de temps. Une baguette, comme d'habitude. Oui, voilà. Suite. Voilà. Merci. Au revoir, madame Ménard. À demain. À demain. Vous saluerez votre mari de ma part. Pétasse. Allez, j'y vais moi aussi. À demain. J'ai rendez-vous avec ma muse. Au revoir, Michel. Au revoir, Michel. Qu'on raconte sur cette femme, hein. Madame Ménard. Ouais. Bon, elle n'a pas de physique. Trois fois mariée, deux fois veuve. Les tueuses, elles sont pas comme ça. Allez, encore un petit Ricard, s'il vous plaît, Joséphine. Encore un petit Ricard. Non, ça suffit, je ne vous sers plus. Non, j'ai même peur de garder mon...
ça. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier train. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Oh, moi, ne sais-tu, tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape pour la bonne humeur. Oui, mais le bon temps, ça donne pas envie de bosser. Oh,
Mais le froid, ça donne pas envie de travailler non plus. Hein. Je vous sers autre chose? Ben oui, une autre mentalo, s'il vous plaît. Vous attendez votre ami? Mais il est en retard. Comme d'habitude. C'est pénible. Et avec cette chaleur, oh, je me sens pas bien.
Où il est mon chapeau? Ne bougez pas, ne bougez pas. Oui. Voilà. Merci. Je m'en vais parce qu'avec ce soleil-là, je repars me mettre à l'ombre et me reposer à la maison. Bien au frais, excusez-moi. Hein. Prenez, mes amis. Prenez soin de vous. Oh, je vais essayer. Merci beaucoup. À bientôt. Robert, j'ai dit un peu d'eau, j'ai cru que vous alliez la noyer. Pour une fois qu'on vous demande quelque chose. Oh. Et pour un 14 juillet, on devrait supprimer les contrôles d'alcoolémie. C'est vrai quoi, c'est la fête nationale, merde. Ouais, ben pour vous, on devrait les renforcer. Ah. Ah, bonjour les amis. Ah, bonjour. Tu es déjà là? Je n'étais pas là. Je passe la vie à ta tante. Je passe la vie à ta tante. J'en veux plus, là, mon chéri. Moi, je vais vivre avec toi la nuit, le jour, toujours. Cette situation de clandestine, je ne la supporte plus. Mais je suis quoi, moi, pour toi? Une intérimaire? Tu me sacrifies à ton petit confort bourgeois. Si. Je sais tout ça. Ouais. Je s'ouvre mon petit. Tu es injuste. Oui, oui, oui. Et quand partons-nous en vacances? Oui. Tu m'as promis que nous irons ensemble en Espagne cette année. Si, si, oui. À l'Espagne? Oui. En Espagne. Mi amor. Ouais. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Je n'oublie pas, mais ma femme, elle a fait un malaise. Ah non, on a déjà eu l'hépatite au printemps. Elle va être opérée. Ah oui. Elle va être opérée. De quoi? D'une hernie discale. Si tu comprends bien, elle sera immobilisée à un moment. Je ne peux la laisser seule avec les parents. Oh, ce serait ignoble. Allez, mon petit cœur. Ce n'est rien. Quelques mois. Et la vie pour nous aimer. Ouais, c'est ça, Nous rattraperons le temps perdu. Mais enfin, chérie, je ne vais pas encore passer mes vacances toute seule. Toute seule? Bah oui. Toute seule, tu as des amis, mon petit chat. Oh. Tu peux m'attendre encore un peu, si tu m'aimes vraiment. Oh. Allez, viens, chapounette. Ne boude pas, viens. Je ne pas, mais quand même. Exagère. Non, ne boude pas. Oh. La terre se réchauffe vraiment. Hein. Et plus la terre se réchauffe, plus il va y avoir des déserts. Et plus il y aura des déserts, et bien plus on va trouver du pétrole. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame Machon. Voilà encore la vieille hippie. Pardon, vous dites, ai-je bien entendu? Je disais, voilà notre VIP. Je préfère. C'est un jardin extraordinaire. Il est moche.
cadré et pas mouillé de chaussettes. Merci. Dites un peu, vous êtes au courant? Non. Le mari de Marie Ménard. Qu'est-ce qu'il a? Il est mort. M-O-R-T. Cette nuit et pendant son sommeil tranquille. Le gars, il a fait un gros de rêve. Oh. Oh. Mais vous croyez ça? Mais l'empoisonné, j'en suis sûr. Comme ses deux premières maris. Vous allez voir si je me trompe. Ah, allons, allons, Madame Machaud. Il ne faut pas accuser sans preuve. Son mari, je l'ai vu il y a 15 jours. Et il avait bien maigri. Au moins 50 kilos. Oh, 50 kilos. Et là, deux semaines au lit, et hop, il passe en la gauche. Cette bonne femme, je vous le dis, c'est une empoisonneuse. Et mon intuition ne me trompe jamais. Les intuitions, il faut s'en méfier. Je vous sers une petite citronnade parce que le café, ça vous rend rieux. Non, mais non, mais ma... Mais la citronnade, c'est pas du citron. La preuve, on n'en met pas dans les huîtres. Mais... Ah, en fait, Flora de Moustier... Oui, quoi encore? Elle a accouché. Ah, c'est un garçon ou une fille? Une voiture. Non, c'est une voiture. Une Toyota, madame. Alors, si c'est dans une Toyota, alors le gosse, il doit être japonais. Son verre. Ah,
les beaux monuments, on traverse les villages, et puis on a les commentaires. Qui sait, on aura peut-être un coureur français en tête. Ah, pensez-vous, un coureur qui se tombe pas, c'est qu'il n'a pas vraiment envie de gagner. Hein. Vous avez remarqué, Robert, on ne voit jamais de Chinois dans les grandes courses cyclistes. Pas étonnant. Vous avez vu leur tête aux Chinois? Ils sont pleins de figures, les Chinois. Pas aérodynamiques, les Chinois. De toute façon, moi, le sport, j'adore le sport. Mais, à la télé, je suis sportif, pratiquant. Vous voulez vous buvez cul sec, sans respecter les paliers? Remarquez-nous, on risque pas un contrôle antidopage à l'arrivée. Moi j'aime bien l'été quand il fait chaud et qu'on voit les femmes en debout légère. Mais on en a trop vu des femmes à poil. C'est les femmes en bulle qui font tourner. Il faut du mystère. Elle est toute nue sous ton pied, il y a la rue qui est ma boule, je l'ai mis. Les petits seins sont pointus. Et qu'une rose de printemps qui sous l'heure et du temps, et qu'une rose éclatée de l'ombre aux côté, jolie monde. Elle est toute nue sous ton pot, et à la rue, et ma bouche, jolie monde. Madame Ménard! Bonjour. Bonjour, on vient d'apprendre pour votre mari, mais il n'a pas été malade bien longtemps. Toute notre donnée en condoléance, madame. Mais c'est arrivé comment? Ce matin, avant de passer l'aspirateur, je suis allée lui porter son café, et là, il était mort. Il est mort en dormant, hein. C'est tout fait mort. J'arrivais pas à le croire, mais ça fait un choc, dites. Que voulez-vous? J'ai continué à faire mon ménage avant d'appeler le médecin. Pas en laissant la poussière que ça allait le faire revenir. C'est bien triste tout de même, hein. Vous voilà encore veuve. Oh, pour ça, j'ai vraiment pas de chance. Je suis marquée par le destin. Enfin, la mort, eh bien c'est la vie. Il faut quand même manger et prendre ma baguette, s'il vous plaît. Bah oui, oui. Oui. Oh, messieurs, vous viendrez bien prendre une petite tasse de thé à la maison. Monsieur Pousse, vous avez des bons gâteaux. Oh, monsieur Pousse, spécialité maison. Un délice! Je compte sur vous! À bientôt! Au revoir, madame Ménard! Et bon courage! Et bon courage à vous, messieurs! Elle les use, ces mariés! Trois fois mariée, trois fois veuve! Moi, si elle me demande en mariage, je vais m'en fuir au courant! Thank you.
manuscrit, vous avez des nouvelles? Aucune. Pas un éditeur ne m'a répondu. Mais votre Marie Ménard, ça pourrait faire un très bon sujet de roman. Une femme qui empoisonne son mari à petite dose. Oh, je vais noter. Je pourrais l'appeler Thérèse. Celle qui rit quand on l'a... Oui, on pourrait l'appeler Thérèse Bigarou, ça serait pas mal. C'est un sujet qui m'inspire. À cause de votre service, bonjour. Et la poste, elle a soupe. Et elle boit quoi? La poste, un coca? Ah oui, s'il te plaît, merci, Joe. C'est toi. Je suis vannée. Oh, merci. Vous avez un bon boulot, vous, hein? Moi, j'ai jamais travaillé. Jamais. Et j'en suis fier. Alors, pour moi, à la retraite, hein, même à 67 ans, ben, ça me fera encore 10 ans à pas travailler. Mais beaucoup. Tiens, j'ai du courrier pour toi, Joe. Désolée, pas de lettre. Mais comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Le casting, ça n'a rien donné. Il n'est même pas été retenu. Tu m'as oublié, ma petite Marine. Moi, je suis là, à mon comptoir. Le temps ne passe même pas. Seules les années passent. Vois-tu? Je n'attends plus rien. Oh, mais qu'est-ce que tu nous fais là, Joe? Un petit coup de blues? Ah non. Écoute-moi. Dimanche, tu fermes. Ah non. Dimanche, tu fermes. Et on va se balader à Paris. Voilà. Et je t'emmène sur les Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, suis-toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, voilà, voilà, voilà. Que j'ai été viré. Chassé comme un chien et viré comme un malpropre. Alors, depuis, hein, je vous assure, je cherche. Non, rien. Et puis alors l'autre enflure du cabinet de recrutement là-bas. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, ça fait 3 ans que vous ne travaillez pas.
De quoi vivez-vous? De mes rentes, bien sûr. Non, mais de l'air du temps, je lui ai dit. Alors, je n'avais pas le sens de l'humour. Et puis, il a ajouté, enfin, quand même, 3 ans sans travailler. Pourquoi? Parce que personne ne m'a embauché. Bon. Alors, bon, j'ai compris. Non, mais dites donc, ça vous plairait, vous, qu'on vous prenne pour une feignasse professionnelle? Alors, c'est-à-dire que... Moi, je me plantais là, j'avais mon overdose. De toute façon, ces mecs-là, ils sont pétés de thunes et le cul dans la soie. Hein? Nos vies, elles valent rien pour eux. Non, eux, leur seul dieu, l'argent, le fric, c'est tout. Et le fric, c'est chic. C'est sûr que pour un actionnaire, je suis pas un être humain, je suis juste un chiffre sur un bilan comptable et puis voilà. Faites donc du télétravail. Vous regardez la télé en attendant de trouver du boulot. Ce qui est grave avec la crise mondiale, c'est qu'elle est partout. À la télé, ils parlent de croissance molle. Ça ne sert à rien la croissance et c'est de la croissance molle. Tous des cons à Pôle emploi. Et vous pourrez cons, je m'y connais. Ah ouais, j'ai une idée. Vous pourriez gratter la mandoline. Et gratte, gratte sur la mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta, ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Mesdames et messieurs, 20 minutes d'entracte. Le bar est à votre disposition. We'll be right back.
violon de l'automne, laisse mon cœur une langueur monotone. Ah, Verlaine, quel poète j'aime. Elle poteau continue, toujours pas cuit. Henri on ne va pas se plaindre avec ce beau temps. On fait des économies de chauffage. Tout de même, 2 mois sans une goutte d'eau. Tant pis pour les cèpes. Moi, l'année dernière, j'ai mangé des champignons soi-disant mortels. Même pas malade. Oh, ils étaient comestibles. Vous avez eu de la chance. Et votre roman ? Vous avez des nouvelles ? Vous avez commencé autre chose ? Il n'y a pas le vertige de la page blanche, foulant. Mais ça tombe. Le souffle créateur m'anime. Et je crois que j'ai trouvé la première phrase. Longtemps, je me suis levé tard. Qu'en pensez-vous, Joséphine ? Ça me dit quelque chose, ça. Longtemps, je me suis levé tard. Ça me dit quelque chose. Pas mal comme approche, hein ? Merci. Vous n'avez pas bonne mine, vous, ce matin. M'en parlez pas, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le bébé des voisins, il a pleuré toute la nuit. Oh, je l'aurais tué. Ne vous inquiétez pas. Les parents vont le faire. Sans ça, plus de preuves, plus rien.
Faisez-moi la pierre, les ménards. Quand elle est montée dans le panier salade. Oh, dole, les ménards. Oh, dole, les portes du pénitencier bientôt seront fermées, et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Une sérielle qui loge chez nous, c'est pas croyable. Tout de même, Madame Machaud, le mari de Madame Ménard, il avait 94 ans. À Collard, ça serait pas mal non plus. Du sang, du sexe, du fric. De quoi est-elle accoupée, cette femme-là ? Empoisonnement. On aurait retrouvé des traces d'arsenic dans le corps du buffet. C'est un gendarme qui me l'a dit. Et dire qu'on aurait, il aurait donné le bon Dieu sans confession. Enfin, doucement, Madame Machaud, n'oubliez pas la présomption d'innocence. Et au lieu de râler, vous, faites comme moi, chantez. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Et je couche, la nuit se rêve des voiles. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur les chemins. Bonjour. Pardon. Alors,
Une menthe à l'eau, s'il vous plaît. Oui. Vous avez trouvé du boulot? Ah, pensez-vous. Je vois des CV partout, mais du travail pour moi, il n'y en a pas. C'est toujours la même réponse, vous savez. La crise dure toujours, la conjoncture n'est pas favorable. Qui a besoin d'un contrôleur budgétaire? Je ne sers plus à rien. Un inutile. J'ai pourtant 20 ans de boîte. Hein. Et oui, 20 ans sans une erreur, sans un reproche, donc, sans un jour d'absence, viré comme un malpropre. Moi, je dis, c'est les 35 heures qui nous ont foutus dans la merde. Arrêtez-vous. Vous n'avez jamais travaillé. Pour faire 35 heures, sûrement pas. Je préfère encore rien faire. Il faut être con pour faire 35 heures. Et qui peut m'expliquer pourquoi il y a l'assurance chômage et il n'y a pas l'assurance travail? C'est pas logique. Bonjour, comme d'habitude, Almora, s'il vous plaît. Robert, il faudra penser à me régler une petite note. Enfin, petite. Pourquoi vous ne m'effacez pas ma dette à moi? Mais parce que vous n'êtes pas grec, que je sache. Bon, allez, quoi j'y vais. Je dois suivre mon inspiration. Longtemps je me suis levé tard. Longtemps je me suis levé tard. J'ai bu tout ça. Mais c'est pharamonique. Effectivement, Robert, tout ce que vous buvez est pharaonique. L'écrivain, il est parti. Il n'a même pas fini son verre. De toute façon, en France, c'est comme ça. On finit jamais rien. Mais faut pas gâcher, hein. Je pense, vous pourriez peut-être aller voir chez MDS, je crois qu'ils embauchent. MDS. Ah bah oui, je l'ai fait, mais non, rien. Non, à croire que c'est pas mes diplômes, mon expérience, ça ne sert plus à rien. Loser, voilà ce que je suis. Has-been. Moi je dis, le chômage, ça a commencé avec les femmes en pantalon. N'importe quoi, vous. Allons. Ne parlez pas comme ça tout de même. Vous êtes une victime du capitalisme casino qui n'a aucune considération ni pour les petites entreprises, ni pour les salariés. C'est certain que dans ma boîte, le DRH, il y a été à la hache. Hein. 200 personnes au chômage, du jour au lendemain. C'est un crime, ça, monsieur. Ah, bah oui, un crime. Ah, bah, pas comme on voit dans les journaux ou à la télé avec un cadavre bien visible, non. Un crime économique. Et puis en plus, faut se rendre à l'évidence. Hein. Maintenant, je suis trop vieux. Non. Moi, par exemple, je vous trouve plutôt bel homme. Merci, c'est gentil. Bon, vous dites ça par politesse. Non. Sainte Rita. Sainte Rita? Pourquoi?
Ça fait des mois que je vous vois attendre, là, et Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées. Et il me semble que... Non, 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 vous vous trompez. Je l'aime, et il m'aime. Et ce qui nous unit, c'est très fort, c'est très violent, vous ne pouvez pas comprendre. Non, je me demande, ne passez pas à côté de votre vie à attendre. Les hommes sont souvent bien lâches. Vous savez, monsieur, les études, ça sert à rien. Moi, à l'école, c'était pas mon fort. Mon rythme scolaire, un jour j'y allais, et le lendemain, il n'y allait pas. Moi, j'aimais bien l'histoire. Oh, l'histoire, j'aimais pas. La géo non plus, d'ailleurs. Quand on n'aime pas l'un, on n'aime pas l'autre, hein, obligé. Tirez car, Joséphine, s'il vous plaît. Ah, encore des jeunes qui ont mis le feu à des poubelles. C'est quand même pas malin d'aller sortir les poubelles quand il y a des jeunes. Ah, bonjour tout le monde. J'allais partir là, tu exagères, hein, vraiment, hein. Ma choupette, mon petit cœur, je t'en prie, pas de reproche aujourd'hui, j'arrive. D'où ça? Des urgences. Ah non. Arrête de me prendre pour une idiote. Je te jure, ma femme va pas bien du tout. Ah bon? Elle est pas morte? Oh bah dommage. Je t'en prie, c'est assez difficile comme ça, ma chatinette, sois compréhensive. Mais tu te moques de moi là, mais je passe ma vie à t'attendre, à grappiller quelques heures, par-ci, par-là. Enfin, c'est insupportable ça, hein. Une hernie discale, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, hein. Une hépatite, et aujourd'hui une crise cardiaque. Mais méfie-toi, je ne vais pas me sacrifier éternellement, non. Ma choupette, je n'aime que toi. Tu es mon soleil, ouais. Mon bonheur, ma lumière. Nous allons vivre ensemble. J'ai besoin de toi. Le sacrifice est la mesure de l'amour, tu le sais. Oh, mais qui se sacrifie? Qui? Hein? Oh, j'en ai assez entendu, là. Écoute, je te donne un mois. Un mois. Je ne vais pas me sacrifier éternellement. Là. J'ai déjà trop attendu. Viens, mon amour, viens. Il faut donner du temps au temps. Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi. Paroles, paroles, paroles. Je t'en prie. Paroles, paroles, paroles. Je te jure. Paroles, 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 paroles. Sur le carreau à mon âge. Et en plus, je suis en fin de droit. Je suis le poinçonneur des dames. Le bas qu'on regarde et qu'on ne regarde. Le bas qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre. Drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits du Raider Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que les basses la coulent douce à Miami. Alors que moi, je vais le zouave au fond de la cave. Pareil qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais les trous dans les billets. Je fais les trous, les petits trous, encore les petits trous. Je fais les trous, les petits trous, toujours les petits trous. Les trous de première classe, les trous de seconde classe.
laissez-moi vous aider. Oula, attendez. Merci. Asseyez-vous. Eh bien, dites, ça n'a pas l'air d'aller, vous. Ah non, ça va pas du tout. Ah? Ah non. Il devait m'attendre au train de 10h20. Il va être midi. Et ils ne sont toujours pas là. Mais qui devait venir? Ma fille et mon gendre. Ah. Ils ne m'ont peut-être pas reconnu. Oh, votre propre fille. Parce que cela fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Mais vous comprenez, ils sont très occupés. Tennis, golf, club de bridge, ski, voyage, et j'en passe. Et en plus, j'ai beaucoup changé. Pas à ce point-là, quand même. Ah si. Même moi, ben, je ne me reconnais même pas. C'est fou ce que j'ai dit. On dirait ma mère. C'est horrible. Bon, voilà. Allez, qu'est-ce que je vous sers pour vous faire patienter? Un thé, un jus de fruits, une infusion peut-être. Quelle horreur! Un whisky. Et un triple, s'il vous plaît. Bienvenue au club! De toute façon, s'ils ne viennent pas me chercher, s'ils m'ont oublié, ben c'est comme si je n'étais personne. Un bagage abandonné. Alors là, il va falloir faire très attention maintenant. Et pourquoi? Ben, parce qu'il est fort explosé. Excusez-le. Ben, les bagages abandonnés peut-être, mais quand même pas les personnes abandonnées tout de même. Oh, merci, madame. Ça va aller mieux. Moi aussi, je suis abandonné. Ma femme m'a quitté. Soit disant que j'étais alcoolique. Je suis pas alcoolique, pas du tout. J'ai une forme de boulimie liquide. Oh, il est déjà midi, le temps passe à une vitesse. Midi. Soyez raisonnable, rentrez chez vous. Allez, allez manger, ça vous fera du bien. Allez, allez vous reposer. Au revoir, madame. Excusez-le, madame, excusez-le, c'était vraiment... Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Et elle m'envoie des cartes postales de tous les endroits qu'elle vit.
je voyage aussi un peu, du coup. Alors, c'est où cette fois? Sacrée Françoise, le Kilimandjaro. Elle laissera vraiment aller au bout de ses rêves. Oh. Et puis quoi d'autre aujourd'hui? Fansago, le 25 octobre. Joséphine, je sais que je vais te briser le cœur, mais ne m'attends pas. Nous avons vécu des moments merveilleux. Ce fut une belle histoire que la nôtre. Mais j'ai rencontré quelqu'un. J'ai commencé une autre vie ici, au Chili, et je ne reviendrai jamais. Je suis sincèrement désolé de manquer à ma promesse. Oublie-moi, Joséphine, et sois heureuse, tu le mérites. Du cancer.
Merci bien. Pourquoi on vous dit ce que vous avez, le cancer? Joséphine? Oui? Un petit café. Vous êtes malade? Avec un grand canevas. Ça va me réchauffer la carcasse. Tu t'en occupes, chérie. Vous avez vu? Il tue quelqu'un et il s'excuse après. Moi, je dis trop tard. Il fallait s'excuser avant. Et celle-là, alors, ça, c'est la meilleure. Notre bonne vieille moutarde de Dijon, elle est fabriquée en Slovaquie. Toute notre âme sous le camp. La poste à votre service. Bonjour. Oh, je suis gelée. Partout. Un chocolat bien chaud, s'il vous plaît. La voiture, elle n'a même pas le temps de chauffer. Merci. Alain va te servir. Merci. Vous avez vu? La mairie décore la place. Ah. Et le cantonnier, il met un sapin. Merci. Comment voulez-vous que les gosses voient la magie de Noël? Merci. Les sapins, ils les allument même pas, les sapins. Encore une dépense inutile. Enfin, Robert, Noël, c'est la fête. Oh, à ce propos. Ah oui, c'est vrai. J'ai un petit quelque chose pour mon client préféré. Joyeux Noël, Robert. Oh, t'es trop gentil. J'ai horreur qu'on fasse un cadeau. C'est vrai. On est obligé de dire que ça te plaît. C'est un grognon, vous. Moi, j'ai mis des boules de graisse pour les oiseaux. Oh, c'est gentil. Aucun n'y a touché. Ils deviennent difficiles, les oiseaux. J'ai horreur de voir les oiseaux mourir de froid. Bon, les SDF, eux, ils l'ont mérité. Robert, vous exagérez. Robert, franchement. La semaine prochaine, vous ne me verrez pas, Robert. S'il vous plaît, Joséphine. Ah, ben, chaud. Ah, je le sers, oui. J'ai une lettre pour vous, monsieur Proust. Tenez. Merci. À propos, monsieur Proust, vous ne m'avez pas pris de calendrier, vous. C'est vrai. Ouais. Regardez donc celui-là, avec la Joconde. C'est pas mal. Quel artiste
juste ce Léonard de Vinci, mais alors quel génie! Regardez! Ouais. Il a fait plein de choses, Léonard de Vinci. Mais il n'a pas tout fait non plus, hein. Il ne faut pas exagérer. Hein. Et puis la Joconde, elle n'est pas si bien que ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit derrière la Joconde? Qu'est-ce qu'on voit? La campagne. Moi, je dis que c'est un tableau qui a été peint dehors. Je vais prendre celui-là avec les petits chiens. J'aime bien, puis ça changera. Bon choix. Merci. Vous sentez bon, vous. Vous sentez le frais. L'air du temps, pas vrai? Perdu. S'oublie de la lavande. C'est le seul parfum que je porte. Merci beaucoup. Allez, salut tout le monde. J'ai une journée d'enfer plein de colis. Au revoir. Bye, bye. Au revoir. Arrivederci. Ciao, ciao. See you. C'est des arômes artificiels. À propos, vous avez des nouvelles de l'empoisonneuse? Elle est toujours en tôle? Il n'y a pas eu de jugement, hein, donc l'enquête se poursuit. Bonjour, monsieur, dame. Ah ben justement, bonjour, madame Ménard. Bonjour. Et vous êtes de retour? Allons, remettez-vous. Mais je ne suis pas le diable. Nous sommes surpris, c'est tout. Et ravis de vous revoir. Mais vous pensiez quoi? Que j'étais coupable? Que j'allais passer le reste de ma vie à l'ombre? Non, puisqu'on vous a libéré, peut-être pour bonne conduite. Bonne conduite? On peut dire ça. J'ai été libéré ce matin. Non-lieu! Non-lieu! Parfaitement! Mais vous pensiez quoi? J'avais empoisonné mon mari avec de l'arsenic? Eh bien, non! Parce que figurez-vous, de l'arsenic au cimetière, eh bien, tous les corps en contiennent. Le sol est pollué. Ah ah! Ça vous étonne, hein? La présomption d'innocence, vous ne connaissez pas. Vous et vous, bande de médisants. Une baguette, s'il vous plaît, Joséphine. Oui, tout de suite. Voilà. Merci, madame Ménard. De me chercher un autre mari. Oh, Monsieur Proust, vous viendrez bien prendre une petite tasse de thé à la maison, Monsieur Proust. Oh, vous avez de jolies mains, Monsieur Proust. Je compte sur vous, Monsieur Proust. À bientôt. Au revoir, madame Ménard. Bon Noël. Et bon retour chez vous. Merci. C'est trop dangereux. Non lieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que il n'y a pas de preuves,
Et donc, il n'y a pas lieu de poursuivre. N'importe quoi. Elle a épousé trois types riches, tous bien plus âgés qu'elle, et qui sont morts tous les trois 24 mois, 2 ans, je ne sais plus, après le mariage. Et alors, c'est pas de chance, hein. À chaque fois, c'est elle qui hérite. Bingo! Joséphine, remettez-moi ça, s'il vous plaît. Mais sans le café. Café, ça m'énerve. Ne donne pas, non. Je me disais aussi. Un vrai personnage de roman, moi, je trouve. Hein. Une tueuse, Thérèse Bigorre. Oh, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vous sert? Un chocolat chaud, s'il vous plaît, Joséphine. Un chocolat. Alain, Alain va s'en occuper. L'alcool dans le sang, il faut pas exagérer non plus. C'est dangereux si t'as un vaisseau qui pète. C'est bien canalisé. Vous êtes au courant? L'empoisonneuse, elle a été relâchée. Oh. Oui, non lieu. Non lieu? Soi-disant, c'est une maligne. J'y crois pas, bien sûr. Moi, je dis, il a préféré s'en faire. C'est ton chef de bureau. Misérable.
Bon, allez. Mais alors, à la recherche du temps retrouvé, je vois pas. Bon, eh ben nous, allez, on va pas. Remarquez. Je m'en fous. Je nie jamais. Alors, c'est pas comme mon père disait dans les cabinets. Et il paraît que le pape aussi, il lit dans les cabinets. Oui, mais s'il agit de la sorte, c'est tout simplement pour ne pas avoir de mauvaises pensées. Ah. Voyez-vous, cher ami, le nouveau livre de poche, c'est le téléphone portable. Bon, allez, raconte. Eh bien, ma chatounette, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout va bien. Vous fêtez quelque chose? Oui, oui. Tout va bien. Très, très bien. Je te quitte. Mais tu peux pas me faire ça, ma chatounette. Mais si. Comment ça, tu me quittes? Oui, tu es larguée, tu es virée, tu dégages. Mais ma femme vient de me quitter. Oh, je suis libre. Mais tant mieux pour toi. Je suis libre. Mais tant mieux pour toi. Et puis, tu paieras bien ma consommation. Adieu, minable. On s'est aimé comme on se quitte. Tout simplement, sans penser à demain. À demain. Bon, allez les amis, cette fois, trinquons. Allez mes amis, à mon succès littéraire. Oui. Ah. D'accord, un grand écrivain, c'est jamais autant connu qu'un grand footballeur. Et ça gagne beaucoup moins. Oh, mais le foot, le foot. On en a juste là, du foot. Oh. Allez. Ah. Allez. Coucou, c'est moi, bonjour les amis. Oh, Françoise, de retour. Oh oui. Oh. Oh, si vous saviez, le Périgord m'a manqué. Oh. Oui, le matin, l'odeur du pain grillé, le foie gras avec ses toasts, le confit, les cèpes, le petit tourin blanchi. Et puis à cette période, voyons, la teinte de Noël fourrée au marron. Oh. Et le binard. Oui, oui. C'est vrai. Et oui, les cafés, les bistrots, et vous. Écoutez ce que les gens disent. Surtout, sur rien. Pouvoir dire ce que l'on veut, quand on veut et comme on veut. Et tout ça en buvant un verre. Dire tout ce qui vous passe par la tête. De jolies choses. Des saloperies et même des grosses conneries. Oh, des confidences. C'est vrai, un bistrot, un café. Ça m'a manqué tout ça, parce que ça c'est la vie. Mais c'est la vie. Mais vous fêtez quelque chose? Oui. Mon prix Renaudot. Pas vrai? Oh monsieur Proust, compliment. Bravo, bravo. Et les amis, réjouissez-vous. Je viens de mettre le point final à ma dernière heure. Un autre roman? Non, pas du tout. C'est une pièce de théâtre. Pièce de théâtre? Une comédie. Comédie? Vous avez déjà le titre? Oui, oui. Le titre, c'est Le Café de la Place. Blablaté, hein. On boit un coup. Ah, voilà.
camarades, j'aimerais passer la parole à Annie, s'il vous plaît. Bonsoir, cher public. Nous espérons que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. Les comédiennes faciales, je vous remercie infiniment d'être venus aussi nombreux et pour votre chaleureux accueil. Ce cabaret théâtre a été orchestré par Cyril Lapart, directeur du Bambino, et toute son équipe. Nous les remercions. C'est un grand plaisir d'avoir pu jouer ici, dans cette salle exceptionnelle qu'est le Bambino. Mon remerciement s'adresse également à celle qui a imaginé et écrit cette comédie inédite en quatre tableaux, printemps, été, automne, hiver, Nicole Kerin. Musicaux, Roger et son indispensable camionnette qui a véhiculé volontiers tous nos décors. Roland de Bergerac pour ses magnifiques plantes vertes et fleuries et Alex Verdel, artiste peintre à Issy-Jacques, pour ses toiles colorées. Excellente soirée, fin de soirée à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures théâtrales. Bernard. Délicieuse Françoise.
Thank you.